La bibliothèque et la salle d'opéra Haskell, orgueil de Stansted, Québec et Derby Line, Vermont, ont été construites délibérément sur la frontière canado-américaine. Les deux principales façades du bâtiment, qui donnent sur la rue Church, Québec, et la rue Caswell, Vermont, sont de splendides exemples de l'architecture de la fin de l'époque victorienne et elles réunissent des éléments de divers styles architecturaux. Elles contrastent avec l'arrière de l'édifice, qui est plutôt de style georgien ou néoclassique. La bibliothèque et la salle d'opéra Haskell, dont de Martha Stuart Haskell et de son fils, le colonel Horace Stuart Haskell, ont été dédiées à son défunt mari, Carlos Haskell, homme d'affaires influent. Dans la bibliothèque, près du comptoir de prêt, il y a une tête d'orignal. Alors, beaucoup de gens se demandent ce qu'elle fait là. Et bien, c'est un monsieur qui l'a chassée au Nouveau-Brunswick et il voulait la mettre dans son salon, mais elle est tellement énorme qu'elle ne pouvait pas rentrer dans son salon. Donc, il en a fait don à la bibliothèque et c'est devenu un petit peu notre mascotte parce qu'on la déguise. Quand c'est Noël, ben, on le déguise en Père Noël. Et les enfants sont bien contents. L'intention de la famille était de donner un centre culturel aux communautés frontalières. Alors, si Mme Haskell a décidé de faire construire ce bâtiment, c'est parce qu'elle avait à cœur que la culture soit accessible à toutes les couches de la population et aussi bien aux anglophones qu'aux francophones, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, il y avait une toute petite communauté francophone dans le village qui s'appelait Rock Island au Québec. Il y a aussi une autre anecdote qui dit que c'est la seule bibliothèque au Québec qui n'a pas de porte parce que la porte est au Vermont, et c'est la seule bibliothèque au Vermont qui n'a pas de livres parce que tous les livres sont au Québec. La salle de lecture, quant à elle, est divisée dans sa diagonale par la frontière tracée au sol. Les gens, quand ils rentrent ici, ils nous disent « Ben, si on n'avait pas notre bibliothèque, on sait pas ce qu'on aurait d'important dans nos villages. » Parce que vraiment, là, c'est une institution culturelle, comme vous dites, d'une extrême importance. La bibliothèque dégage une atmosphère à la fois calme et élégante. De belles cheminées et des canapés confortables rendent la salle de lecture accueillante et chaleureuse. Le bâtiment est aussi remarquable de par la qualité des matériaux employés. Granit gris de Stansted et briques chamois à l'extérieur. Riches boiseries faites de bois provenant de la région, vitraux, carreaux de céramique ornant de très belles cheminées et des plafonds en fer blanc embossés à l'intérieur donnent à l'ensemble un cachet unique. Cette institution remarquable suscite un grand intérêt de la part des médias locaux et internationaux, Actualité télévisée, Life Magazine, Canadian Geographic, New York Times, Ripley's Believe It or Not, et bien d'autres revues comme Paris Match France. La salle de l'opéra située au premier étage du bâtiment avait aussi un but pratique. Selon la charte originelle de 1908, ce but était que les profits engendrés par l'opéra servent à l'entretien et au soutien de la bibliothèque, située au rez-de-chaussée. Mais elle avait aussi, pour l'opéra, elle pensait que avec l'argent qu'elle recueillait des spectacles, elle pouvait acheter des livres pour la bibliothèque, et chose qui ne s'est jamais avérée. Je pense que ça a été peut-être l'inverse. La bibliothèque, pendant quelques années, a dû subventionner la salle d'opéra. Depuis 1997, du printemps à l'automne, une programmation variée se déroule en ces murs. Depuis plus de 10 ans, QNEC, Queen of the Northeast Kingdom Production, est la troupe en résidence. Le rideau de scène représente une vue de Venise. Nous avons aussi des décors qui restent, 4 décors en fait, qui restent d'un peintre de Boston. Ça serait les seules œuvres qui restent de ce peintre-là, qui s'appelait Erwin Lamos. Les décors fonctionnent encore avec cordes et poulies. C'est la seule scène qui reste en Amérique du Nord qui fonctionne encore avec ce genre de système-là. «
Depuis la soirée d'ouverture du 7 juin 1904, l'acoustique de la salle d'opéra, de par sa qualité, a enchanté spectateurs et artistes. Ce soir-là, les Colombian Minstrels ont donné un spectacle traditionnel appelé Blackface. La seconde moitié de la soirée fut consacrée à une comédie musicale, The Isle of Rock, mettant en vedette Eugene Coles de Boston. Les 15 premières rangées sont des sièges qui étaient beaucoup plus confortables et qui sont encore plus confortables d'ailleurs et qui étaient destinés à la classe aux notables. Alors ce sont des sièges qui sont rembourrés, qui ont un accoudoir et qui ont aussi, lorsque vous soulevez le battant, une petite structure de métal où les messieurs pouvaient glisser leur chapeau de forme. Le balcon comporte des sièges qui sont moins confortables que le bas. Et il y a un terme anglophone qu'il appelait la peanut gallery. Alors on suppose que les gens, ils arrivaient à l'opéra avec des arachides et qu'ils écalaient leurs arachides et que, en fait, quand vous penchez, vous voyez que les sièges qui sont juste en dessous, ben, c'est les sièges des notables. Alors peut-être que ces gens-là s'amusaient à lancer les écales de cacahuètes sur les notables. L'architecture intérieure de la salle est rococo italien. Alors vous avez les stucs de l'arc proscenium ainsi que du tour du balcon qui représentent beaucoup de feuilles d'acanthe, des angelots rehaussés de feuilles d'or. Une information erronée circule depuis longtemps, comme quoi la salle d'opéra serait une réplique de l'opéra de Boston. Mais en fait, le bâtiment est unique. Nulle part ailleurs, on ne peut s'asseoir dans une salle de spectacle divisée en deux par une frontière internationale. La plupart des spectateurs se trouvant aux États-Unis pour assister à un spectacle se déroulant au Canada. Dans la salle, vous constaterez aussi que le plafond, il a une courbure, ce n'est pas un plafond plat, il est aussi en métal embossé, il est peint. Il y a un chandelier aussi qui est d'époque. Et parce qu'il faut comprendre qu'à cette époque-là, il y avait déjà l'électricité dans les villages environnants et Mme Haskell avait décidé donc tout de suite de faire électrifier le bâtiment. Il y a une tradition dans l'opéra, c'est que toutes les personnes qui viennent donner un spectacle laissent leur graffiti sur les murs. Alors là, vous constaterez qu'il y en a plusieurs. Puis le plus ancien que moi j'ai pu constater date des années 40, 1940. Je peux vous nommer quelques spectacles qui ont lieu. Il y a eu Oliver Jones qui est venu jouer, il y a eu l'Orchestre symphonique du Vermont, Imusici, la troupe Jean Duceppe. C'est sûr qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Des générations d'artistes ont laissé leur signature sur les murs des coulisses et celles-ci ont été précieusement conservées jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, cet édifice patrimonial est une institution et une attraction touristique locale importante. Il constitue une merveille culturelle reconnue comme un trésor unique au monde.